calé ici. Ok. Vu que je joue la même chose, j'ai pas besoin de traiter une boucle plus grande. Donc je crop. Voilà, de la même manière, juste quelques petites corrections. Et puis ben, pour le quantize, pareil, c'est recommandé de ne pas quantifier à 100%, comme j'ai dit dans une précédente vidéo de composition. C'est bien si toutes les touches de piano ne tombent pas en même temps. Donc on peut facilement créer nos renversements d'accords. Par exemple, cet accord ici, je peux sélectionner toutes ces notes, faire Maje flèche du bas et il va la jouer à l'octave d'en dessous. Je vais aussi quantifier la fin des notes parce que dans le quantize setting, on n'a pas abordé. Là, on a quantisé le start. Mais on peut quantifier la fin aussi sans quantiser le start. Ce qui va me donner, pour toutes les notes, une longueur voisine, tout en ne commençant pas au même départ. Et puis, voilà, ça sera plus consistant de cette manière. Ensuite, je trouve le son un peu piquant, il va manquer un petit peu de corps. Donc ce qu'on peut faire, là, une technique rapide, sélectionner l'instrument, faire un CTRL-G, cliquer sur cette icône qui s'appelle l'icône List, et on va trouver un autre instrument à rajouter, additionner à celui-là. Donc vu que celui-là est très aigu et piquant, on va prendre quelque chose qui ressemble plus à un son d'orgue, qui aura du corps et pas d'attaque. Organ dance, allez. De toute façon, c'est exploration. Voilà, et là, le synthé en solo est en train de jouer les deux instruments en même temps. Voilà, je vais en profiter pour aller sur l'instrument qui s'occupe de l'orgue et jouer sur son filtre. Alors, vu que c'est des presets, ils vont avoir déjà des filtres assignés ou des choses comme ça. Là, dans ce preset, il n'y a pas de filtre assigné, donc je vais pouvoir allumer le filtre. Mais au cas où cette section est déjà en cours d'utilisation, vous ouvrez un EQ à la suite du synthé. Et puis c'est aussi simple. Là, le filtre, on peut choisir. Donc, je vais couper les aigus, un high cut. Donc, vu qu'en tant que débutant, je ne veux pas entrer dans tout comment le filtre a été chaîné à tout ça, parce qu'on n'est pas là pour expliquer chaque synthé. Hein. Là, utiliser des presets qu'on amène à notre oreille, c'est surtout composer, avancer, se faire plaisir. Quoi. Donc, je vais passer simplement caler un EQ derrière ça. Donc un EQ 8 pour rester dans le truc d'Ableton. Voilà. Me mettre en solo sur l'orgue. Voilà. Donc j'ai besoin de ces fréquences, j'ai pas besoin de ça. Un truc comme ça. Voilà. Et ce piano là, un peu space. Donc ça, c'est un instrument groupe qu'Ableton a préparé. Hein. C'est intéressant de prendre les presets d'Ableton parce qu'on comprend. Vous voyez toutes les machines qu'ils ont mis pour créer cet instrument. Et là, même si l'équalo de ce son un petit peu piquant est à plat, certains des paramètres que je vais toucher ici, comme le tone ou le bright, ah ben voilà, j'avais pas besoin de mettre des cues, j'avais juste à toucher le bright ici. Ok. Ok, l'attaque. Ok. Voilà, ça me va. Et je vais me servir de l'EQ qui est à l'intérieur de la machine pour enlever ce dont j'ai pas besoin.
Tous ces aigus sont jolis, mais dans l'idée où on a un charlet par là, donc soit on le coupe, ou si on veut pas perdre cette brillance, on va plutôt jouer sur le plateau. En enlever un peu, mais pas trop ici. Voilà. Donc je remets les deux sons ensemble. Et voilà, on peut prendre l'habitude aussi de plus on rajoute des instruments, plus on va baisser aussi le volume de chacun d'eux, parce que sinon l'addition de à fond de volume plus à fond de volume, ça va vite faire piquer ici. Comme vous pouvez voir, le volume de mon fader est à moins 6, mais c'est déjà en train de piquer à moins 5 en volume effectif. Ce qui veut dire que si mon fader était à 0, je serais en train de clipper. C'est plus ou moins grave de clipper, mais on va dire pour l'instant, hein, on reste dans les clous. Donc, moins 6 pour les deux, c'est la bonne base, hein, pour chacun des instruments qu'on additionne. Parce que moins 6 plus moins 6 égale à 0, en termes de volume, hein, bien sûr. Et voilà, et on peut du coup avoir traité un son, même un son d'un simple piano avec plusieurs couches, et on peut choisir le volume de chacune de ces couches. Ça rappelle un peu la technique de travail sur les sampleurs EMU qui permettait de, pour un seul son, d'avoir plusieurs samples simultanément et choisir le volume de chacun, le traitement de chacun, etc. Sauf que là, c'est un peu plus facile. Donc, moins 6. Voilà pour les quelques détails. Il va falloir que je m'occupe de quelque chose ici parce que c'est un petit peu bancal. Donc on peut aussi sélectionner plusieurs clips de la même longueur ensemble et Ableton va les afficher ici. Donc pour que ça soit plus clair, je vais mettre une couleur différente pour chacun d'entre eux. Vous allez voir où je vais en venir. Et du coup, quand je sélectionne, alors je peux aussi lui dire que les clips déjà enregistrés, qu'il assigne la même couleur que je viens de choisir. Et voilà, quand je sélectionne tous les clips, j'ai chacune de ces couleurs ici, ou en sélectionnant les notes en question. Donc là, je serai en train d'éditer les hi-hats si je clique sur le kick. Voilà. Ça permet d'avoir le tout sur des pistes différentes, faire nos éditions. Et là, mon objectif, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce que je trouve qui sonne bancal là-dedans. Donc voilà, j'ai sélectionné toutes les pistes pour voir les notes, comment elles tombaient les unes par rapport aux autres. Celle-là se rapprocherait plus de là. Je rappelle que via CTRL et chiffre 4, on peut allumer la grille qu'il y a derrière ou l'enlever. Là, je la laisse enlever, je veux juste rapprocher les notes du groove déjà inscrit. Vous voyez comme ce genre de décalage. Des fois, il faut qu'il y ait des flats, c'est-à-dire que les notes tombent pas en même temps, mais pas si large, quoi. Sinon, ça sonne, je sais plus comment on dit, sloppy en anglais, quoi. Donc un peu mou. Je vais faire un survol avant de refaire lecture. Celui-là se rapproche d'ici, lui il est là, ça c'est là. Celui-là se rapproche d'ici. Là, ça a l'air d'être cool. Pareil, ensuite, en dehors du groove global, les sons dominants sont souvent un tout petit peu avant. Dans le groove, je veux dire, dans le placement de la grille, quoi. Là, ce à quoi je touche, c'est la seconde caisse claire que j'ai appelée add pour mettre une petite polyrythmie à l'intérieur du beat.
Hop, voilà. Voilà, maintenant c'est un petit peu mou au niveau caisse claire et compagnie. Ça un peu plus de hi-hat ici, on appelle ça skank pour en revenir à où on en était. On peut aussi se dire que même si ce synthé a de la reverb et peu importe la nature du son, on entend qu'il a une petite reverb en arrière, mais que ce synthé joue dans la même pièce que d'autres personnes, donc toujours via notre première reverb courte, on va envoyer un peu de reverb du piano là-dedans. Ok, à cette étape, on peut rester en MIDI, par exemple dupliquer, on peut créer une mini variation. Alors, elle peut être tout autre, hein. Là, c'est juste histoire de rester dans cette histoire de clip et de créer des variations. Là, je vais simplement doubler pour que ça fasse ce truc, comme ça, et baisser le retour. Voilà, comme si le pianiste jouait deux fois la note. Donc voilà, autre petit truc qu'on peut faire, c'est de mettre un autofiltre. Il s'appelle autofiltre, mais c'est aussi un filtre suiveur d'enveloppe. Donc là, ce que j'explique au plugin, c'est que je lui dis déjà de couper les graves. Et ici, c'est l'intensité du signal entrant en volume. Vous voyez, plus je monte le volume, l'enveloppe, pardon, et plus il va aller ouvrir ce filtre. Ça fait une sorte de wow. Ok ? Et on entend que le wow sur le deuxième coup de piano est plus léger dans les aigus, quoi. Et la manière dont va réagir la rapidité de ce filtre, c'est le bouton attaque et release qui vont s'en occuper. Là, il s'ouvre carrément tout en entier, on entend que tout est redevenu brillant.
l'attaque, c'est comme la vitesse du waouh. Waouh. Là, il met très longtemps. Là, il y va directement ouvrir le film. Voilà, c'est un petit truc pour donner une enveloppe. Et bien sûr, ici, on choisit à quel endroit. C'est-à-dire, plus l'enveloppe du volume va être forte en entrée de signal, et plus il va faire ça. En gros, c'est comme si le plugin fait ça. Waouh, 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 mais une vitesse beaucoup plus rapide. Mais pour vous expliquer que ça va dépendre de la fréquence de coupure choisie ici. Ça donne un petit peu de vie et puis un peu plus d'enveloppe. Donc on est OK pour ça. Ben maintenant la basse. Hein. Donc une autre piste MIDI. Je pense qu'on va rester sur l'opérateur. Instrument. Et puis ouvrir l'opérateur lui-même sans choisir un preset. On va choisir nous-mêmes la forme d'onde. Donc par défaut, il nous donne une sinusoïde. Et de tous ces opérateurs, il n'en a allumé qu'un. Donc on ne va pas rentrer en détail trop là-dedans, juste quand on fait une basse. Le plus rapide pour avoir un bon signal, c'est de prendre une onde carrée plutôt qu'une sinusoïde. Donc on va changer l'onde ici en choisissant un square. Là il y a square 3, square 4. On va voir, il n'y a pas square 64. Un peu trop résonnant, donc encore résonnant. Ok, ça me va mieux. Donc voilà, on a choisi notre onde. Bon, c'est pareil, en faisant un petit peu plus de recherche là-dedans, on trouve qu'il peut avoir toujours mieux. Hein, mais comme je disais, on va à l'idéal. Voilà ce que j'appelle un signal stable, quoi. On voit même dans le viewmètre, je rappelle dans le viewmètre, le vert foncé c'est le pic, le volume pic, et le vert brillant c'est le volume RMS. Vous voyez là par exemple dans le piano, il y a une grande différence entre le volume pic et le volume RMS de son, et là dans cette basse, une fois qu'on a passé l'attaque, bref, c'est un pavé quoi ce truc. Hein. Donc voilà, on entend une espèce de clic, 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 clic à l'attaque. Donc on va simplement essayer de trouver l'enveloppe du son. Donc c'est pas celle-là. Comment trouver l'enveloppe du son? Simplement en cliquant sur l'oscillateur qui est en jeu dans l'opérateur. Et en bougeant le paramètre attaque. Tout à l'heure, j'ai bougé attaque, ça n'a rien changé, pardon, je vais couper le filtre. C'est parce que j'étais sur le filtre et j'étais en train de bouger à l'attaque d'enveloppe du filtre. C'est pour ça que le son ne changeait pas. Donc on clique sur la surface du synthé qu'on veut traiter, donc là en l'occurrence c'est celle-là. Et ensuite l'enveloppe, l'attaque decay release correspond à là où on a cliqué. Si j'avais cliqué là, l'enveloppe correspondrait à ce deuxième oscillateur. Troisième ou quatrième. Donc ok, bon, le carré c'est un choix. Le carré, quand on en trouve des bonnes ondes carrées, ça va ressembler un peu au son Casio, quoi. Au son, cette basse digit là. Non,
Donc forcément, il y a un peu trop de contenu aigu là-dedans. Donc on prend ça simplement comme si c'était un comment? Voilà, un synthé qu'on a. Et derrière, on met quoi? Un EQ, une fois de plus. Donc on va rester simple. Toc toc, EQ 8. Voilà. Donc je fais ça avant l'enregistrement. J'en laisse quand même, enfin vous allez voir. Je laisse quand même des mid-high pas mal. Mais plus un truc comme ça pour laisser, pour pas, parce que là ça surcharge tout le morceau, quoi. Donc un truc comme ça. Et pourquoi pas avec un plateau, descendre un petit peu le registre des médiums de cette manière-là. Mais laissez quand même un maximum, là pour l'instant on n'est pas au mixage, on est à l'écriture, laissez un maximum de fréquence mid-high pour que l'oreille puisse reconnaître si la note que vous jouez est juste ou fausse. Parce que des fois quand on n'a que les subs dans les oreilles, enfin voilà. Donc petite pause encore. Ok, c'est reparti. Donc, ajouter cette basse. Ok, ça pique un petit peu, donc on va baisser un peu cette batterie. Voilà, un truc comme ça devrait pouvoir le faire. Donc ça s'appelle basse. Et pour la basse, je vais aller de l'autre côté. J'ai envie d'enregistrer un peu plus long que juste une boucle comme. Donc, on a juste allé de l'autre côté. On ne touche pas à ce qui est grisé ici. Ça signifie que ce qui est sur ces pistes est lu depuis la page session. Donc, ces petites boucles qu'on a préparées. Et voilà, on ne touche pas à ce qui est grisé ici, ni à ça, qui va permettre normalement de faire basculer ces pistes en lecture par rapport à ce qui est inscrit ici. Donc, vu qu'on a juste besoin d'avoir la base de ce côté, donc c'est parti. Un précompte de deux mesures, ok. Passage. Voilà,
ici. Donc CTRL L. On peut cliquer deux fois sur 0 rapidement. Ça désactive, réactive le clip et ça permet de couper. Donc je vais garder ce bout-là qu'on va bidouiller et vite fait celui-là pour l'intro. Sans trop quantifier hein, si c'est joué droit. Oups. Et puis pour la boucle, voilà, on peut faire un CTRL J pour consolider chaque petite boucle MIDI. Voilà. Mettre deux fois cette boucle pour l'intro. Et celle-là qu'on consolide aussi, la deuxième, donc CTRL J, je la change de couleur. Voilà, et je la mets sur loop. Et ça va être notre ligne la plus courante. Donc pendant que j'enregistrais la basse, Ableton est en train de lire. Ces clips, donc celui-là, les drums, pardon, voilà. Donc j'aurais pu changer entre celui-là et le précédent, mais on va reprogrammer ça. Mais c'est juste pour dire qu'on a juste à activer par exemple la piste de drum ici et ça va correspondre. Maintenant, les boucles de drum seront lues depuis cette page directement. Voilà. On va même tirer les drums sur une durée de morceaux, comme ça on aura pu à réouvrir le groupe. Donc en bas, il y a le temps en minutes. C'est bien, même si on va redécouper et faire pas mal de choses dans le morceau. Voilà, 3-4 minutes, j'allais dire même 3 minutes, c'est déjà suffisant pour penser à différents enchaînements de séquences ou de phases, tout en restant à bosser sur des boucles. Quoi. Donc même si je continue à bosser sur les boucles, je fais ça de ce côté pour pouvoir, voilà, s'il y a des idées qui me viennent, il y a au moins un timeline pour les développer. Ce qui fait que je peux développer soit plusieurs pistes avec plusieurs boucles, si j'ai des idées de boucles en tête, ou si je n'ai pas d'idées précises et que je veux improviser, je vais venir ici et extraire des boucles que je ramènerai donc de l'autre côté si besoin est. Donc voilà, maintenant on va s'occuper de savoir quand est-ce qu'il y a un piano qui joue une fois et un piano qui joue le double piano. Là, donc je prends ces deux parties, tabulation, je les ramène là. Voilà, je peux maintenant cliquer sur ce truc. Ça, c'était dû à l'enregistrement de tout à l'heure. Voilà. On va préférer celui-là pour l'intro, ce double piano, deux fois,
Ou alors, il est déjà en boucle, donc j'ai juste à tirer le haut. Je sais qu'il est en boucle parce qu'elle est enclenchée ici, et c'est une boucle que j'ai créée de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, pareil, on laisse ça. Deux fois, trois fois, quatre fois. Ok, bon ben voilà, déjà on a un bon skank drum basse. Donc voilà, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir aussi... resculpter un tout petit peu la basse, qu'elle laisse la batterie passer. Donc je vais enlever ce changement ici pour l'instant. Bon, un truc auquel je pense on peut pour pas avoir à courir après le master, glisser un limiteur sans créer aucune accentuation ou quoi que ce soit, le laisser en automatique, et on surveille quand même à ne pas piquer, c'est-à-dire maintenant je le mets simplement pour pas qu'il aille piquer dans le rouge comme il a fait tout à l'heure et puis faire du craquage sur les enceintes. Maintenant on le repère. C'est-à-dire qu'on dit au compresseur que tant que le volume n'atteint pas moins 0,3 dB, donc vraiment très proche du zéro, il n'y a aucune, il ne limite pas. Il y a un limiteur dessus, mais tant que le volume n'atteint pas moins 0,3 dB, donc tant qu'il n'atteint pas, si je clique ici, moins 0,3, moins 0,3, voilà, tant qu'il n'atteint pas ce volume, l'addition de toutes ces pistes, il ne se mettra pas à limiter. Donc c'est simplement, ça met une protection sur le master, et dès que vous voyez que le volume additionnel commence à vous donner la valeur de 0,3, bon, je vais faire une simulation. Là ça veut dire que lui commence à limiter un petit peu. Ok. Donc le but n'est pas de jouer le plus fort possible dans ce limiteur, c'est vraiment protéger votre système, vos oreilles. Et ben, à partir de ce moment-là, dès que vous voyez cette valeur au master, vous ne pourrez pas voir zéro, je pense. Parce que le ceiling correspond à la sortie du limiteur. D'accord ? Donc tant que le signal entrant, l'addition de toutes ces pistes n'atteint pas un certain volume, qui je pense est zéro, hein, tant qu'il n'atteint pas ce volume, il ne va pas se mettre à limiter. Si on laisse le gain à zéro, c'est pareil, c'est comme s'il n'y a rien, il est transparent. Donc voilà, assez parlé de la sécurité, mais c'est bien quand même. Comme je vous disais, tant qu'on n'atteint pas le plafond, il ne limite pas, donc il ne change pas la nature de votre son. Donc ok, on a tout ça. De quoi on peut parler d'autre? Je pense que ça sera presque tout. Un petit synthé, allez, pour une mélodie. Insérer un MIDI track. Et trouver un synthé mélodique. Donc pareil, hein. Le truc c'est l'exploration. Par exemple, hop, je vois string. Et je prends le premier que je trouve. C'est pas le mieux, je sais pas comment il sonne, donc je vais trouver un autre instrument. Flûte de pan, allez, soyons fous. Mmh.
Voilà, on peut tout à fait prendre un son même basique comme ça et puis lui mettre un ou deux effets comme de l'overdrive. On remet sur le dry wet. À la bande de fréquence qui va jouer l'overdrive, si c'est sur toute la bande, ça a vite fait devenir crade quand on fait un accord. En fait, pour les overdrives et les saturations, plus le signal qui entre dedans est complexe, et moins il en faudra ou choisir la bande de fréquence sur laquelle sera cet overdrive. Généralement, on va mettre un overdrive sur une guitare solo parce qu'elle est toute seule et joue quasiment tout le temps note par note. Bon, même s'il y a des riffs de guitare avec de la disto. Bref, c'est là où va se jouer la différence entre de la grosse satu jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, ou alors de la disto ou du fuzz, en fonction de si le signal entrant est complexe ou pas, quoi. Donc là, je trouve ça trop crade pour l'idée. Donc, je plaque un accord et je choisis la bande de fréquence dans laquelle va agir cet overdrive. Qui accentue le soufflet du. Voilà. Et à ça, ajouter du decay, je trouve. Faudrait qu'il y ait un petit peu de son au relâchement. J'ai dit tout à l'heure, hein. C'est pas de ce côté. Ok. Comme ça fera l'affaire. Là, ça pourrait être un petit peu plus fluide. Parfois, c'est pas en rapport avec le placement des notes, mais aussi par rapport à certaines notes n'ont pas été jouées assez longues. On peut aussi quantifier qu'une partie des choses. Voilà, je trouve ça un petit peu en retard ici. Tac. Tout.
objectif. Croper ça. Hop, et je préfère reprendre un de ceux-là. Ok. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Et faire un autre riff mélodique. J'éteins ce clip. Truc qu'on peut aborder, c'est que quand on sélectionne un groupe de notes midi ou alors tout ce qu'il y a dans une partie, il y a deux petits comme des warp markers qui apparaissent ici, et on peut voilà carrément étirer, inverser la sélection qu'on a choisie. Donc hein, avec toutes les expérimentations que ça peut permettre, mais sachez voilà qu'on peut bouger les notes une à une sur la grille et ou pas sur la grille, ou des groupes de notes qu'on va étirer, mettre à l'endroit, à l'envers. Ouais, le visuel est assez terrible. Ok. Et là, pourquoi je voulais me servir de ça, c'était pour sélectionner toutes les notes, parce que la toute première est un peu en avance sur la boucle que j'ai choisie. Donc de cette manière, au lieu de quantifier ou de déplacer que cette note, ce qui casserait le groove de cette boucle, je vais juste resserrer un tout petit peu le tout début. Voilà. Et ce qu'il aura fait, en fait, c'est qu'il aura étiré proportionnellement le tout en même temps, quoi. Donc, de tout petits incréments à chaque note, au lieu de bouger une seule note qui viendra casser un groove que vous avez trouvé. Voilà, quand j'ai bien cadré ma boucle, je peux la cropper maintenant. On n'entend plus la basse parce que j'ai fait un enregistrement global sans faire gaffe tout à l'heure, donc on va éteindre ça. Emmener nos pistes de petite flûte de l'autre côté. Voilà. Et faire vers ce côté. Activer notre basse, bien sûr. On
peu augmenté, vu que c'est de la mélodie, de quelques effets, comme si c'était une guitare. Hein. Une guitare ou autre chose, un synthé, quoi. Ça servira d'accompagnement, je pense, mais voilà, ça permettra d'aborder ce sujet. Pourquoi pas de dupliquer ce qu'on aura préparé comme effet ici. Donc, simplement, déjà, un écho pour lui tout seul. Delay. Voilà. Une fois de plus, ce que je mets sur la suite des instruments, c'est pas pour le dub, c'est vraiment donner du caractère ou des trucs, des traits particuliers à chaque son, quoi. Ok, un EQ là-dessus. Alors il y a aussi un espèce de clip audio, c'est pas un gros clip non plus, mais une attaque qui est pas... partie du son, donc je vais le laisser comme ça. Ok, pas trop d'en faux. Ajouter des locators aussi pour organiser le terrain. Un clic droit, add locator, et on peut donner un nom. Idées viennent et voilà. On peut même consolider ça comme étant un thème potentiel. On va s'arrêter sur cette longueur. Bien sûr, tout pourrait être ajouté, la voix, une autre mélodie qui complémente celle-là. On peut aussi se faire une ligne de cocotte à partir du midi de la basse. Donc le plus simple est de créer un instrument midi, dupliquer les pistes de basse dessus. Enfin, pas créer un instrument midi, mais une piste midi, pardon. Créer une piste midi, dupliquer les pistes de basse, le mettre dessus. Choisir un instrument qui va être très percussif. J'ai dit mute, hein, pas spécialement une guitare, hein, juste un instrument percussif. Donc dans instrument, pop, mélo, flûte, non, voice, key, string, percussive. Ok. Pourquoi pas, mais c'est pas... Ah, voilà. Ouh, ce petit rubber là, très bien. Hop. Ouh, bien pour la basse aussi. Double fou. Donc déjà, je vais, hein, vu
vu que c'était un heureux hasard, je vais appeler ça bass pluck. Et pourquoi pas essayer de mélanger ça au signal, parce que le grain de son est pas mal. Ok, et redupliquer ce bass pluck, c'est-à-dire l'instrument avec lui, appeler ça mute, CTRL R mute, pour comme mute guitare, quoi. Même si c'est un synthé mute. Voilà. Oh, l'autre basse, elle va faire mal. Rubber. J'arrête de dire. Vous rembobinez, vous regardez le preset que j'ai choisi. Voilà. Donc là, on est en train d'essayer de sculpter le mute. Donc déjà, moi par défaut, j'ai mis un pitch sur chaque piste MIDI. Donc où est-ce que je prends un effet MIDI qui me permet de modifier les entrées de notes? Ça se passe dans MIDI Effect. MIDI Effect, il y en a très peu. Mais croyez-moi, tous ces trucs, c'est des trucs de fou, quoi. Bref, je veux dire, il y en a très peu, mais ils suffisent largement pour retourner toute l'entrée MIDI et les vélocités et les pitchs. Bref, par défaut, j'ai mis un pitch et une vélocité quand j'ouvre une piste MIDI. Je peux faire un rapide rappel ou... Voilà, pour créer une piste MIDI par défaut, quand vous avez une piste, normalement, il n'y a rien dessus. Okay. Mais comme pour les programmes comme Cubase et compagnie, c'était tout le temps sympa d'avoir au moins accès au pitch et à la vélocité, des paramètres de vélocité, dès qu'on ouvre une piste MIDI. Donc le truc à faire dans Ableton, dans les premières fois où vous l'utilisez, vous ouvrez une piste MIDI, donc il sera comme ça. Pour ajouter un MIDI effect pitch et un MIDI effect vélocité, que vous éteignez, voilà, parce que vous n'avez pas spécialement besoin de ça, on peut l'allumer ou pas, mais de l'éteindre, ça ne prend pas de ressources, même si le MIDI ne prend pas beaucoup de ressources. Et voilà, à partir de ce moment, vous avez choisi tous les plugins dont vous avez besoin sur la piste MIDI par défaut, vous faites un clic droit et « Save as default MIDI track ». Et en cliquant là-dessus, êtes-vous d'accord, bien sûr. Et voilà, maintenant, à chaque fois que je vais ouvrir une piste MIDI, j'aurai déjà tout ça de près sur la piste. Voilà pourquoi, c'était une micro-parenthèse pour vous dire pourquoi j'ai un pitch effect directement inséré sur ma piste. Donc j'ai besoin d'une octave au-dessus, voire deux. Deux, on rejoint un peu la fréquence des mélodies. Ça va. Donc on va se reconcentrer sur ce mute. Tiens, voilà, parce que j'ai pas envie de rentrer dans le synthé, savoir qui fait quoi. Donc je trouve, voilà, un petit peu longuer la note. Dans Ableton, il n'y a pas de transient shaper par défaut. Un transient shaper, c'est une sorte de compresseur qui va permettre de raccourcir les notes longues en audio ou de amplifier le release d'une note. Mais on peut détourner l'utilisation du drum bus et de se servir de ce bouton transient. Donc on peut réduire le drive au maximum, ne pas allumer le compresseur, ouvrir le damp au maximum jusqu'à 20 kHz. Voilà, ne toucher à rien de spécial. On va en profiter pour refaire un rack, tout simple, parce que quand vous faites des racks, vous pouvez les sauvegarder et les ouvrir quand vous en avez besoin. Donc là, vraiment le rack ultra simple, CTRL R, on va l'appeler transient. Donc moi en ce moment, mes plugins s'appellent new. Donc new transient, sous-entendu transient shaper, qui va permettre de sculpter. Et l'utilisation de ce bouton transient est très simple. Du côté tout à gauche, il va réduire les notes et donner de la force à l'attaque d'un son. Et du côté à droite, il va donner beaucoup de release. Et beaucoup de release, de longueur de notes. Donc comme d'hab, on choisit la position du bouton minimum ou maximum qu'on veut assigner. Donc je veux ce bouton, le transient, assigné pour que quand mon potard est à zéro,
il soit au maximum là, à gauche, counterclockwise. Donc voilà, j'ai mis la position, je clique assigner au macro 1. Et ici, je vais donner un nom, voilà, en plus gros, pour Transcend Shaper, ou voir Shaper, parce que c'est vraiment ce que ça va faire. Hein. Voilà, une petite couleur. OK. Donc je le remets. En double-cliquant, il revient à la valeur pas défaut de son paramètre. Et écoutons ce qui se passe. Donc on voit qu'à droite, il rajoute quand même de l'attaque, beaucoup, mais il met du release aussi sur la note. Par défaut, ça serait ça. Voilà. Et ensuite, vous allez dans votre User Library, Preset. Dans Preset, vous pouvez créer un dossier. Donc moi, je me suis fait un dossier qui s'appelle le 220 Effect. J'ouvre ce dossier. Donc, créer un dossier, on va sur le User Library, Preset, ou Preset, et ajouter New Folder, donner un nom au folder. Voilà, on va dire que j'ai fait ça. C'est le 2020 Effect. Je mets mon plugin préparé en valeur par défaut. Je pourrais même, par exemple, assigner le Crunch en macro 4. Et plus, et je prends ce truc que j'ai préparé, je le glisse dans le dossier que j'ai créé, entrée, il est sauvegardé, voilà. Donc d'avoir un drum bus sur un instrument, ça va permettre déjà voilà, d'utiliser son Transcend Shaper. Et comme vous pouvez remarquer, le truc clip pas, c'est qu'il y a un limiteur aussi à l'intérieur de cette machine. Il y a un crunch. Le drive, à mon avis, est prêt. Il y a un drive, il y a un compresseur qu'on peut allumer, comme un compresseur automatique, mais qui va réagir différemment en fonction du volume d'entrée. Voilà. Bref, je pourrais tout assigner avec des fourchettes que je veux, mais c'est juste pour vous inviter à vous servir des fois de ce truc. C'est bien utile et non moins utile. On a aussi un dry wet. Ce qui fait qu'on peut faire du parallèle processing. Je vais mettre le dry wet en 7 et le volume de sortie en 8. Voilà. Je mets les cases en jaune qu'on voit où se situe. Voilà. Par contre, j'ai oublié de donner la valeur par défaut de mon dry wet. Donc si on veut éditer, là j'ai donné le chemin le plus simple, mais là par exemple j'ai fait une erreur dans mon assignation, donc je clique sur Map, je retrouve le paramètre Dry Wet, et oui voilà pourquoi il ne marche pas, il est à 100% même au minimum. Donc ici on peut redéfinir les fourchettes des paramètres assignés au raccourci. Donc là j'ai fait une autre erreur sur l'output gain, je veux qu'au maximum il soit à 0 dB, et le minimum que je puisse régler, voilà, moins 40 dB. Le shaper, moins 1 plus 1, c'est bon. Le crunch, 0, 100%. Voilà. Comme je disais, on pourrait en assigner d'autres. Okay. Voilà, un truc comme ça. Donc je vais mettre ça, reglisser les nouvelles modifs. Entrée, voulez-vous le remplacer? Oui. Voilà, au volume ici dans la console, hein, moins 12, si on va dire, c'est le volume, mon volume médian souvent. Ok, rajouter du skank. Je vois qu'ici, je commence à atteindre le moins 30. Il limite pas encore, mais on va baisser quand même tout ce petit monde d'un même pourcentage. Ok, on peut placer...
voilà, moi je mets ça là, ici je vais appeler ça riff. Riff. Ok.